Bonjour à tous et merci du coup d'être venu sur cette conférence qui va porter sur notre cher dieu de la malice, Loki. Nous allons évidemment donc parler de lui, mais aussi parler un petit peu d'histoire de l'art et de sociologie et la façon dont on peut lier cette figure que l'on connaît tous avec ces notions qui au premier abord peuvent nous étonner, mais qui au final sont assez liées. Ce que j'aimerais commencer par vous dire, c'est d'abord pourquoi Loki? Loki, tout simplement parce que c'est une figure extrêmement populaire qui a regagné ces dernières années une popularité grandissante. Et de ce fait, forcément, il y a eu des réinterprétations, des réimaginations de ce personnage. Et son statut même de personnage, de vilain qu'il était au départ, a énormément évolué. Dans notre société, la pop culture a aussi également une très grande place. Et la place qu'elle occupe nous amène à nous questionner sur les personnages qui font partie de notre quotidien, les personnages que nous côtoyons assez régulièrement par le biais que ce soit des films ou des bandes dessinées, et la façon dont ils peuvent être un miroir quelque part des questions que nous nous posons en rapport à nous-mêmes, en rapport aux autres ou en rapport à toute autre question, quelle que soit philosophique et telle qu'elle soit. Le personnage de Loki, plus particulièrement, me paraît intéressant parce qu'il soulève des questions et des débats qui aujourd'hui sont au cœur des mouvances actuelles dans la sociologie. Et là où on ne l'attend pas, encore une fois, il revient en force et il permet de poser un pied en plein dans ces questionnements et de nous interroger dessus et pourquoi pas de les faire aussi évoluer et avancer. Avant toute chose, j'aimerais qu'on discute un petit peu ensemble de la définition du mot mythe, parce qu'avant tout, Loki est un personnage de la mythologie nordique ou scandinave, comme vous voulez. Et ce mot mythe, au final, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un mythe? Et comment a-t-il pris racine dans notre culture? Le mythe, tout simplement, c'est un récit d'ordre plutôt fabuleux, qui va raconter l'histoire de divinités principalement, mais aussi de créatures fantastiques ou de créatures magiques. Et ces créatures-là vont être eh bien le miroir des questionnements des hommes qui, plutôt que de se poser eux-mêmes ces questions-là, vont par le biais de personnages, de dieux en qui ils croient, se poser ces questions et avoir ces réflexions-là. Du coup, Loki, qui est-il dans la mythologie? Et qui est-il dans la mythologie scandinave? Nous allons nous poser les questions un petit peu en rapport avec son apparition, sa première apparition quelque part, et la façon dont il a été créé par les hommes. On va donc essayer de se plonger dans le 8e siècle, en plein ère viking, en pleine expansion de l'art viking, à savoir d'ailleurs que l'appellation viking est non pas l'appellation du peuple, mais bien l'appellation qu'on donnait aux hommes du voyage de l'époque, ceux qui allaient étendre un petit peu leur culture et découvrir de nouvelles terres. Ce peuple donc est polythéiste, et il a dans son panthéon de nombreux dieux qui ont valeur en général fort honorable comme Thor ou Odin. Et parmi ces dieux-là, une figure assez énigmatique, assez mystérieuse, qui est celle de Loki. Loki, qui par ailleurs n'est pas un dieu. Loki, qui par ailleurs n'est pas un dieu qui a un culte. Il est le seul dieu du panthéon scandinave à ne pas avoir de culte, de par l'ambivalence de sa personne et de son être, ce qui fait que les autres dieux ont les priés pour avoir du courage, de la force. Mais on priait rarement Loki, étant donné qu'il était plutôt vu comme une figure de chaos. On peut également se demander du coup d'où vient ce nom Loki. Et ce qui est amusant, c'est de constater que malgré les différentes recherches qui ont été menées à son sujet, il n'a jamais eu de véritable traduction au nom Loki, bien qu'il y ait plusieurs pistes qui étaient soulevées et qui, à mon sens, sont assez intéressantes, excusez-moi. Plus particulièrement trois. Déjà une. Qui a été découverte sur une ancienne relique, du coup, qui date du 7e siècle et que je vais vous montrer tout de suite, qui est juste ici. Et du coup, relique qui se trouve être la fibule de Nordendorf, qui a été retrouvée donc dans la ville éponyme. Et cet artefact a la particularité de représenter deux dieux, donc déjà Thor et Odin. Et il y a une inscription en runique qui figure au dos, qui elle nous mentionne un troisième dieu, prononcé Logator, écrit en runique, et qu'on a assimilé du coup à Loki. La prononciation de ce mot se rapprochait assez du mot Loptor ou Lopter, qui lui voulait dire malicieux.
C'est notamment pour cette raison qu'on a associé du coup cette inscription à Loki et que c'est une des traductions qu'on pourrait donner à son être malicieuse, quelque chose qui lui convient très bien puisque c'est le dieu de la ruse, c'est le dieu de la malice et de la fourberie. Donc quoi de plus descriptif au final que le mot malicieux pour Loki. Ce n'est pas la seule inscription qu'on a pu retrouver. Il a été aussi de nombreuses fois appelé sous le nom de Loptre, qui est plutôt associé à l'air ou au vent, sans doute parce que y a un rapport assez imprévisible, assez immatériel au vent, et assez surprenant. Le vent peut autant être une douce brise qu'un violent torrent, et ça s'apparente aussi plutôt bien à Loki. Et la dernière définition qu'on pourrait trouver à son nom aussi, c'est tout ce qui est en rapport au nœud. Sachant aussi que pendant longtemps, le mot Loki a été utilisé en islandais pour signifier le mot nœud ou enchevêtrement, que les araignées aussi, pour l'étoile Keltis, sont appelées des Loki, ils sont encore aujourd'hui parfois appelés des Loki. Et cette affiliation du coup au nœud pourrait se justifier sur deux choses. Le fait que Loki est à la fois celui qui va dénouer les problèmes, qui va aider les dieux, il est à la fois leur ami, leur ennemi, c'est celui qui va les aider à résoudre bon nombre de problèmes, mais c'est aussi souvent des problèmes que lui-même a causés, qui va devoir résoudre. C'est pour ça qu'il est aussi celui qui noue en quelque sorte les nœuds qu'il va devoir défaire. Vous pourrez vous dire maintenant, à chaque fois que vous avez des nœuds dans vos écouteurs, que vous avez des Loki. Moi, j'aime bien dire ça, je trouve ça assez drôle. J'aimerais vous montrer aussi un autre artefact qui a été trouvé de Loki, que moi je trouve particulièrement intéressant, parce qu'il fait directement le lien à un de ses mythes, qui est celui-ci, où on retrouve pas mal des attributs liés à Loki, notamment une forme de moustache, les cornes, à savoir que dans la mythologie nordique, Loki est très loin des différentes adaptations qu'on a pu avoir. Dans la mythologie nordique, il est désigné comme un dieu très beau, au trait assez fin, presque androgyne. Et il a souvent aussi comme attribut le fait d'avoir la bouche avec des cicatrices dues à l'un des mythes où, pour un de ses mensonges, il s'est fait coudre la bouche en guise de punition. Voilà du coup ce qui est pour la dénomination Loki. À savoir quand même que le personnage de Loki, lui, a plutôt été retenu, en tout cas dans la mythologie. A plutôt été. Lui, dans la mythologie nordique, associé au chaos, à une figure de chaos, puisque c'est lui qui va créer le Ragnarok. C'est lui donc qui va annoncer la fin des temps, la fin des dieux, et quelque part la destruction un petit peu de tout le peuple asgardien. Donc il est plutôt une figure qui a été vue quand même plutôt de façon négative, bien qu'après il ait toujours eu une ambivalence qui a été soulignée par les nombreux chercheurs qui ont travaillé à son sujet. Au travers de ces différentes recherches, on peut noter qu'il y a eu certains points qui sont ressortis de Loki, et bien qu'encore une fois, il n'ait pas réussi à y avoir d'accord entre ces différentes recherches, à statuer vraiment de qui était réellement le Loki de la mythologie, il y a certains faits qui sont ressortis, et certains chercheurs qui ont mis en avant certains points sur cette figure-là, sur lesquels j'aimerais du coup revenir avec vous. Le premier, l'un d'entre eux est pour moi un des plus importants, est celui de Georges Dumézil, qui a parlé de Loki comme un mal-né contestataire, à savoir une figure qui serait née inférieure, à qui on aurait toujours dit qu'il était inférieur, et qui aurait donc grandi avec cette haine en lui et cette comparaison sans cesse aux autres dieux d'Asgard, qui aurait au final amené au personnage qu'il a été, à savoir cette figure de destruction, quelque part pour un petit peu détruire les codes avec lesquels il aurait grandi et qu'on lui aurait imposé dès qu'il a été recueilli. Savoir que Loki n'est pas un dieu qui est né à Asgard. De naissance, c'est un géant des glaces. Il est le fils donc de deux géants, Lofée et Farbauti, qui ont donné naissance et il a été recueilli par Odin, qui l'a considéré un petit peu comme son frère. Loki n'est d'ailleurs absolument pas le frère de Thor dans la mythologie. Il est un autre dieu avec qui côtoie régulièrement. Mais il pourrait éventuellement être, Odin en tout cas le considérer comme l'équivalent de son frère, bien qu'ils aient eu de nombreux différends. Georges Dumézil l'a aussi beaucoup comparé à d'autres dieux, d'autres mythologies, étant donné qu'on peut constater, si tant est qu'on s'intéresse un petit peu à la mythologie, qu'il y a énormément de similitudes entre ces différentes cultures, ces différents peuples, et qu'il a des figures un petit peu comme ça, qui, bien qu'elles portent des noms différents,
au final se ressemblent assez. On peut tirer des parallèles entre eux assez régulièrement. Il fait notamment référence à Cidron de la mythologie Ossète, qui partage de nombreux points communs avec Loki, notamment les points particuliers d'avoir tué un dieu, et aussi celui de se transformer régulièrement en femme, ou tout du moins de changer d'apparence. Il y a aussi on va dire quelque chose de plus manichéen cette fois, et quelque chose de plus terre à terre, qui a été la comparaison de Loki à Lucifer, puisque dans la mythologie chrétienne, Lucifer est aussi appelé Lucifer, ce qui ressemble effectivement un petit peu à Loki. Et Sophie Bush, qui a travaillé du coup là-dessus, a fait le parallèle entre ces deux personnages, puisqu'ils sont tous deux figures de chaos et figures de destruction. Mais c'est une théorie qui a été assez rapidement éloignée, parce qu'elle manquait d'ambivalence. Loki reste avant tout un personnage extrêmement ambivalent qui peut autant faire le bien que le mal. Et c'est ce qui manquait grandement à cette théorie-là, et c'est pourquoi elle a été balayée assez facilement. Une autre théorie qui a été, elle aussi, assez rapidement écartée, mais qui pourtant, on va le voir tout à l'heure, est peut-être celle qui est la plus proche, au final, des différentes adaptations qu'il y a eu de Loki. Et au final, de l'idée un petit peu qu'on se fait de Loki, qui est celle de Jean de Vriez, qui lui parle plutôt de Loki comme d'un trickster, comme d'un joueur de tour, un être un petit peu farceur qui va venir semer le trouble, mais plus par amusement que par véritable volonté de faire le mal, plus par divertissement quelque part, qui va un petit peu semer le bazar parmi les dieux. C'est une théorie qui a aussi été assez contestée, puisque à l'inverse de celle qu'on a évoquée pour Lucifer, qui était assez manichéenne et qui voyait un petit peu que le mal en Loki, celle-ci a tendance un petit peu à amoindrir certains de ses faits, notamment le fait d'avoir provoqué la fin du monde et d'avoir quand même eu recours au meurtre par simple jalousie. Mais on va le voir ensemble assez rapidement. Cette théorie du trickster est une théorie qui a un petit peu perduré aujourd'hui et qui est assez appréciée. Il y a aussi celle comme quoi Loki aurait été la symbolique du feu. Celle-ci a été amenée plutôt par Jean Audry, bien qu'il n'y ait aucun mythe qui fasse typiquement référence à Loki comme figure de feu, à part peut-être justement le mythe de la création du filet, où il crée le filet, il décide de le jeter au feu, mais ce fait même de le jeter au feu laisse descendre et permet à tous de découvrir cette création. En dehors de ce fait, il n'y a pas vraiment de mythes qui se rapportent au feu pour Loki, mais pour encore une fois son ambivalence, le fait qu'il puisse autant être vecteur de mal que de bien, qu'il est autant un être de l'ombre qu'un être de la lumière, et qu'il apporte autant la destruction que la création, il a été plusieurs fois assimilé au feu. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour ce qui est de la mythologie. J'aimerais pouvoir vous en parler un petit peu plus, mais le temps va venir à nous manquer. Par contre, ce que je vous propose, si la mythologie nordique vous intéresse, c'est de vous pencher sur le livre L'Edda poétique, écrit par Snorri, qui est encore à ce jour le livre le plus fidèle qu'on a sur la mythologie nordique, avec les retranscriptions des poèmes qui ont pu être retrouvés. Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment, vraiment cet ouvrage-là. Et pour ce qui est de nous et de notre conférence, on va doucement basculer sur des représentations un petit peu plus modernes de Loki. À commencer par une assez récente que vous connaissez probablement sans forcément y avoir prêté attention, tout du moins sous le prisme de Loki dans un premier temps, qui est le film et le comics éponyme The Mask. Parce que oui, le masque qui est du coup présent dans ces deux œuvres est bien le masque de Loki, bien que dans les films ce soit le cas, l'affiliation ait été clairement clairement énoncée. Ce n'est pas forcément le cas dans les comics, mais c'est une filiation qu'on peut tout à fait trouver aussi logique, puisqu'elle réunit de nombreux points qui peuvent être, eux, assimilés à Loki, à savoir que, par exemple, le masque permet de déformer la réalité. Loki est un dieu qui maîtrise parfaitement les illusions, donc déformer la réalité, déformer la perception des corps, des objets, ça paraît quelque part assez logique par rapport à cette figure-là. Le masque aussi altère la personnalité, la rend un petit peu moralement ambiguë si on veut, ce qui peut aussi forcément se rapporter à Loki quant à ses décisions et ses choix tels qu'il a pu les faire dans la mythologie, par exemple. Et enfin, ce masque crée une espèce d'alter ego quelque part, à la fois plusieurs, à la fois pluriel, mais aussi à la fois singulier, puisque le porteur du masque sera toujours appelé le masque, ou The Mask, ou Big Head aussi, comme il est appelé dans la version originale du comics. Mais malgré cette dénomination,
Il peut être porté par tout un tas de personnes différentes, des hommes, des femmes, peut-être même des enfants. Le masque est un objet qui symbolise Loki et qui symbolise cette créature-là, mais qui ses pouvoirs, bien entendu, mais qui peut être porté par tout un chacun. Au final, cette adaptation a porté sur un second film qui, lui, va décider de montrer Loki au grand public. Alors, c'est une apparition tout à fait discutable. On retiendra pas principalement la coupe de cheveux assez particulière et le look gothique pré-ado, mais c'est une apparition de Loki après tout, qu'on peut tout à fait noter, et qui va mettre avec de gros guillemets et de gros sous-entendus, pas justement pas très sous-entendus, qui va mettre en lumière un petit peu ce qu'ils vont faire les traits de sa personnalité, et notamment ses sentiments refoulés qui sont décuplés par le masque. Au final, Loki les incarne assez bien dans cette apparition-là. On a un Loki un petit peu enfant gâté, enfant capricieux, qui va chercher avant tout à avoir l'approbation de son père. Et un petit parallèle entre du coup l'histoire du personnage principal qui lui va être père et cette figure de Loki qui cherche sans cesse à avoir son approbation. Donc au final, cette apparition de Loki au travers de ces œuvres-là va mettre principalement en lumière cette espèce d'inconscient qui va s'exprimer. Quelque part, c'est un petit peu une symbolique de l'inconscient et des désirs refoulés qui va s'exprimer au travers de l'objet du masque. Et du coup, cette figure de Loki qui va permettre de les exprimer un petit peu sans plus aucun tabou, et qui va aussi permettre de mettre en avant que même Loki, même un dieu de la mythologie, peut avoir des sentiments au même titre que les hommes, ce qui va le rendre notamment particulièrement humain. La seconde œuvre sur laquelle j'aimerais revenir avec vous est une apparition de Loki dans la série Supernatural, que peut-être aussi certains d'entre vous connaissent. C'est une série américaine qui va mettre en scène deux frères, les frères Winchester, qui vont parcourir les États-Unis à la recherche de fantômes ou de créatures surnaturelles, et qui vont les combattre pour quelque part apporter la paix aux hommes, sachant que la plupart des créatures fantastiques qui vont être amenées dans cette série sont plutôt des figures assez négatives. Et ils vont assez rapidement, dès la saison 2 d'ailleurs, tomber sur Loki, où là nous allons retrouver notre théorie que nous avons mentionnée tout à l'heure de Jean de Vries, avec un rapport aux Tricksters. Dans cette série, ce sont carrément une race de demi-dieux à part entière, qui ont trouvé leurs racines un petit peu dans toutes les cultures et dans toutes les mythologies, dont Loki qui va venir un petit peu semer le trouble et qui va venir un petit peu mettre au grand jour les vices des hommes et leurs choses inavouées, encore une fois, et qui va jouer des tours assez régulièrement aux frères Winchester, en soi les mettant en scène dans des univers complètement paradoxaux, complètement loufoques, complètement grotesques, même jouant la parodie à fond. Mais au final, on va s'entendre que ce personnage-là va être une figure qui va amener plutôt une réflexion sur l'acceptation de la notion de rôle, quel est notre rôle dans la vie, quel est le rôle auquel nous sommes destinés, et plus particulièrement quand nous sommes des êtres surnaturels ou des êtres qui vont être amenés à avoir un destin assez hors du commun, comme c'est le cas pour pas mal de personnages dans la série, puisqu'on n'a jamais assez dans Loki. Cette série va nous proposer non pas un, mais deux Loki. À savoir qu'on va apprendre un petit peu plus tard que le Loki qu'on croyait être justement Loki n'est pas Loki, c'est un être qui a pris sa place, c'est l'ange Gabriel, parce que oui, on mélange aussi les mythologies dans Supernatural. Ça va être cette figure d'ange qui va décider d'un commun accord avec le véritable Loki de prendre sa place, ayant tous deux un petit peu envie de fuir une sphère familiale assez compliquée. Et qui du coup va jouer un petit peu la duperie des va jouer le rôle du coup de Loki. Et ce qui est assez amusant à constater avec ce personnage-là, c'est qu'au final, le véritable Loki apparaît assez tard, et on s'en sait très peu sur lui. Il est montré que dans un épisode avec certains de ses enfants, alors que le personnage de Gabriel, qui joue le rôle de Loki, lui va être un personnage assez récurrent. Et au final, bah, la doublure, la duperie va être un petit peu plus crédible que l'original. C'est un petit peu toute l'ironie de l'histoire, sachant qu'à la fin, en plus, c'est lui qui prendra véritablement la place de Loki en tuant celui qui porte réellement son nom. J'aurais peut-être dû vous prévenir que cette vidéo va être full spoiler, donc si vous ne voulez pas être spoilé, c'est assez dommage. Mais voilà, on va parler des œuvres en profondeur, surtout du personnage de Loki, donc je suis désolée, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de spoilers. Et je vous propose du coup de quitter la sphère des écrans de télévision,
du moins dans un premier sens, et de vous pencher plutôt sur la catégorie jeux vidéo cette fois, puisque j'ai retenu notamment un jeu vidéo qui fait mention du personnage de Loki de façon assez singulière et intéressante, qui est le quatrième volet de la saga God of War. Encore une fois, le personnage de Loki est assez mystérieux, et sa particularité ici est le fait qu'on apprend qu'à la toute fin du jeu, qu'on a suivi Loki tout du long, puisque nous suivons les aventures d'un père et de son fils, de Kratos et Atreus, qui suite à la mort de la mère de la famille, du coup, vont partir dans un espèce de périple un petit peu identitaire pour reconnecter non seulement avec leur culture, à tous deux, mais aussi avec leurs racines, avec une sorte d'acceptation aussi de la mort quelque part et du souvenir qui prend une forme assez poétique et qui du coup nous fait découvrir à la fin que l'enfant qu'on a suivi tout du long, cet enfant qui a fait face à de nombreux dieux, qui s'est construit un petit peu dans ce parcours initiatique, n'est autre que justement Loki, celui qui va amener la fin des dieux, la fin des temps, et qui se trouve être le premier surpris du destin qui lui est réservé, et surtout de la place qu'il va occuper, puisque lui-même ne sait pas tout à fait encore ce que ça signifie, mais on suppose que dans les opus qui vont suivre, il aura une place assez importante. Je trouve particulièrement cette apparition intéressante puisqu'elle nous propose un Loki assez différent des autres apparitions qu'on a pu avoir. On a un Loki jeune, malléable, encore influençable d'une certaine manière aussi puisque c'est un enfant qui découvre le monde, qui apprend à connaître qui il est, ce qui fait qu'on est bien loin au final d'une figure de dieu malicieux ou de dieu du chaos comme il a pu l'être tout ce temps. Et qui va se rapprocher notamment d'une des adaptations de Loki fait par Marvel qu'on va aborder assez rapidement aussi, qui me permet en même temps de faire ma transition du coup sur les dernières apparitions de Loki dont j'aimerais vous parler, qui sont justement celles de Marvel Comics, qui est sans doute celle que vous connaissez le plus. Quand on parle de Loki aujourd'hui, on a forcément déjà dans un premier temps les films Marvel qui nous viennent à l'idée, mais aussi les comics qui ont pu amener cette figure sur le grand écran. Le personnage de Loki dans les comics principalement a une place assez importante et elle a vu surtout une évolution assez étonnante puisqu'on est passé d'une figure de simple vilain, simple antagoniste ou némésis de Thor, à véritablement une figure d'anti-héros qui elle va amener des valeurs supplémentaires et qui va donner un tout autre sens au personnage. On va commencer du coup par parler un petit peu peut-être des comics, puisque c'est eux qui ont remis Loki sur le devant de la scène, et on terminera ensuite par son adaptation cinématographique. Dans les comics, c'est un personnage qui est loin d'être tout jeune, puisque sa première apparition date quand même des années 1962, donc justement en tant qu'antagoniste de Thor. Bien qu'on ait pu noter quand même une apparition encore plus vieille en 49, mais le personnage de Loki, bien qu'il ait eu ce nom, n'était pas encore le personnage de Loki tel qu'on le connaît. Il avait été amené dans un panthéon, un panthéon auprès d'Hadès, sans forcément être forcément lié au panthéon nordique comme il va l'être totalement et de façon pleinement assumée dès les années 60, du coup, avec son apparition régulière dans les différents secteurs. Ce personnage-là, c'est un personnage qui, dans un premier temps, est assez fidèle au Loki de la mythologie nordique. C'est le dieu de la ruse et de la fourberie. Il va venir sans cesse un petit peu mettre en péril les plans de paix dans le royaume d'Asgard ou dans les royaumes avec lesquels ils échangent. Et il va sans cesse venir chercher des noises à son frère et venir semer le chaos un petit peu dans sa vie, qui va parsemer de péripéties comme ça. Et cette figure-là va vraiment commencer à prendre du sens et se développer quand il va subir un de ses premiers enfermements dans les geôles d'Asgard, là où il va rencontrer Eldred, un personnage de sorcier qui va être celui qui va lui enseigner la magie noire, qui va être celui qui va lui conférer une grande part de son pouvoir notamment, puisque Loki finira par le sacrifier à Mephisto pour obtenir son armée et ses pouvoirs. Et dès lors, Loki va partir dans une espèce de quête un petit peu de son rôle justement dans le panthéon nordique, quelle est sa place, puisqu'il n'a jamais su trouver véritablement sa place auprès des Asgardiens, du fait qu'il est beaucoup plus différent, qu'il n'aspire pas du tout aux mêmes valeurs qu'eux. Il va vraiment véritablement se mettre en quête de sa place dans,
dans ce monde et dans les neuf royaumes. Et il va tomber assez rapidement sur la prophétie du Ragnarok, qu'il va voir un petit peu comme le salut de son être et un petit peu l'acte qu'il va devoir à tout prix réaliser pour se réaliser lui-même et vivre pleinement sa destinée quelque part. Il va faire plusieurs tentatives qui vont être des échecs dans un premier temps, mais qui vont finir par réussir ensuite dans le comics éponyme, où il va véritablement du coup monter tous les ennemis d'Asgard contre Asgard et réussir à provoquer la fin des dieux où tous vont s'entretuer et que même Thor, allant essayer de dénouer le destin qui pourrait jouer en sa faveur, va se rendre compte qu'il n'a pas d'autre choix que de laisser mourir tout le monde pour que tous puissent renaître sous un nouveau jour. Et cette renaissance n'est pas sans contre-temps pour un petit peu tout le monde et plus particulièrement pour Loki qui va lui renaître sous une forme à laquelle il s'attendait pas vraiment puisque dans le comics Thor Renaissance où les dieux un par un vont revenir à la vie et Thor va se mettre à leur recherche forcément à un moment tombé sur Loki qui contre toute attente n'a pas renaît dans son corps tel qu'on lui connaît mais il est né dans le corps d'une femme et plus particulièrement dans un premier temps, dans le corps de Sif, donc la petite amie de Thor, avant lui-même d'avoir son propre alter ego féminin qu'on nomme Lady Loki, qui est assez connue également, qui est du coup un petit peu la version exacerbée de sa personnalité. C'est un Loki beaucoup plus porté sur la ruse, beaucoup plus porté sur le fait de jouer de ses charmes pour arriver à ses fins. C'est une figure, au final, assez machiavélique de Loki, où justement tout son machiavélisme va pouvoir se développer dans cette figure féminine. Il va même aller jusqu'à s'allier avec d'autres ennemis, soit du peuple asgardien, soit des Avengers ou d'autres héros de l'univers, pour aller, encore une fois, presque complètement détruire Asgard dans un comic qui s'appelle Siège, où il va s'allier notamment à Norman Osborn et va quasiment créer l'effondrement d'Asgard qui venait de renaître un petit peu de ses cendres. Chose qu'il va assez rapidement regretter. Et au final, au dernier moment, alors qu'on croyait qu'il allait laisser Asgard tomber en ruine, Loki va décider, contre toute attente et au grand étonnement de tout le monde, de se sacrifier pour sauver les siens et pour sauver Asgard. Ce qui va lui valoir du coup une mort assez douloureuse en s'opposant à la figure de Sentry, qui est une figure qui a des pouvoirs quasi cosmiques. Donc, autant vous dire qu'il avait très peu de chances de s'en sortir. Mais grâce au sacrifice de Loki, il peut en partie sauver Asgard. Donc, encore une fois, tous croient Loki mort. Et croit que bah, c'est la fin de Loki et qu'il ne reviendra pas. Mais contre toute attente, il va évidemment revenir. On s'en doute bien. Et c'est Thor qui va le retrouver sous les traits d'un jeune enfant qui semble avoir perdu la mémoire, un enfant qu'il croise au détour d'une rue parisienne et qui va essayer d'escroquer des gens aux cartes. Donc, qui va du coup assez rapidement reconnaître et identifier en tant que son jeune frère et qui va ramener à Asgard. Cette création-là, qui est plus ou moins appelée Kid Loki dans les comics qui vont suivre, est quand même un point assez important dans l'évolution du personnage de Loki, puisqu'après un passé de vilain, certes ambivalent, mais un passé de vilain tout de même, on a le droit à une figure qui va renaître sur les traits d'un enfant. Donc, comme on a pu l'évoquer du coup tout à l'heure avec le jeu vidéo, on a une figure qui est assez neuve, assez innocente. Qui est assez détaché aussi de tout le mal que Loki a pu faire dans ses apparitions précédentes et qui va quelque part essayer de se racheter dans un premier temps, essayer de trouver sa place auprès des Asgardiens et d'être une figure de Dieu qui se fait accepter. Donc il va essayer de faire le bien, il va plutôt essayer d'être l'ami du peuple d'Asgard et de jouer en leur sens. Mais on se doute que ça ne va pas être déjà quelque part de quelque chose d'extrêmement facile, puisque tous ont énormément d'a priori sur lui, puisqu'il a été celui qui a semé la discorde et le trouble entre eux jusqu'alors. Donc c'est un petit peu compliqué de revenir en agitant un drapeau blanc. Et surtout, il y a son apparition du futur, une sorte de Loki plus vieux, assez proche du Loki qu'on a connu jusqu'ici, qui va venir le hanter et qui va venir notamment jouer.
jouer un petit peu le destin, le destin auquel qu'on ne peut pas fuir, auquel on est forcément obligé de se plier, qui va venir lui faire comprendre qu'il n'a pas d'autre choix au final que de devenir le vilain qu'il est censé devenir. Et c'est là qu'on va arriver à un comics que moi je trouve particulièrement emblématique pour le personnage de Loki et la vision qu'on a de lui aujourd'hui, qui est le comics Loki Âge en Asgard, où là Loki, après diverses manipulations, va avoir un corps un petit peu plus âgé, qui s'apparaîtrait plutôt à un corps d'adolescent, et qui va venir du coup faire face à cet antagoniste qui est autre que lui-même, un lui-même un petit peu plus âgé et forcément bien plus machiavélique et mauvais, qui va venir lui faire face et faire face à quelque part cette idée de destin imposé et le fait qu'on ne pourrait être autrement que ce que le destin a écrit pour nous. Vous allez me dire du coup, mais comment faire face à ce destin? Comment quelque part le dépasser? Eh bien, tout simplement en devenant maître de son propre destin, ce que fait Loki littéralement, puisqu'il passe de dieu du chaos à dieu des histoires, et il va lui-même du coup réécrire sa propre histoire et réécrire quelque part le rôle qu'il aura envie d'être, et il va écrire son propre triomphe. Le personnage de Loki dans ce comic, c'est une énorme réflexion sur lui-même, sur sa propre psychologie, sur ce qui fait la nature et l'essence de son être. Et c'est pour ça que, pour ma part, je trouve que c'est un comic très intéressant si on s'intéresse justement à la psychologie, à l'ambivalence de sa personne, si on a envie d'essayer un petit peu de comprendre toutes les choses qui peuvent s'agiter dans sa psyché, qui peuvent se combattre et se faire face, et un petit peu les différentes choses auxquelles il aspire notamment. Je pourrais aussi vous citer deux autres comics que je trouve assez intéressants sur le personnage si ça vous intéresse. Il y a la série de Ezadribix, c'est une mini-série en 4 parties qu'on peut retrouver plus facilement quand même en version originale aujourd'hui, et qui va montrer un Loki assez différent du tyran qu'on a pu connaître. C'est une version assez ancienne de Loki, dans une idée où c'est lui qui prendrait le trône et qui du coup aurait quelque part réussi son objectif, mais qui va devoir un petit peu se confronter à des choses qu'il n'avait pas prévues, à savoir, bah, du coup, ses sentiments profonds. Il va avoir un petit peu un règlement de compte avec les différents personnages qu'il aborde régulièrement, donc entre autres ses parents, la figure de Thor aussi. Et c'est un comics assez intéressant puisqu'il montre, c'est vraiment un des premiers qui va montrer Loki autrement que comme un vilain tyrannique ou comme un personnage assez égoïste qui va plutôt particulièrement chercher à défendre ses propres valeurs et son propre intérêt. On va vraiment montrer un Loki plus proche d'une tragédie shakespearienne qui subit un petit peu plus son destin qui ne le prend en main. Et c'est en ça que je trouve que c'est un comics assez intéressant. Et après, si vous voulez un comics qui lui se rapproche un petit peu plus de la mythologie nordique, il y a un comics assez un petit peu plus vieux celui-ci, qui est Les Malheurs de Loki, qui va reprendre différents mythes de la mythologie nordique, en particulier ceux aux figures Loki, et qui va en faire une réinterprétation, mais quand même assez fidèle de la façon dont elle est abordée dans les mythes, et qui va du coup les présenter. C'est un petit peu à cheval entre la mythologie et on va dire les comics tels qu'on les connaît. Il est assez intéressant pour ça. Et donc du coup forcément on va en arriver à son adaptation cinématographique, qui est celle qui a donné aujourd'hui, avec la performance de Tom Hiddleston, la notoriété que Loki a aujourd'hui, qui a été son avènement et son exposition au regard du grand public. Encore une fois, un personnage qui est un antagoniste au départ et qui va connaître une évolution moralement beaucoup plus positive. Bien que moi personnellement, j'ai du mal encore à considérer que son personnage dans les films du MCU soit véritablement un vilain. Parce qu'à mes yeux, il a véritablement été un vilain que pendant un film et demi, plus ou moins. À savoir, dans le premier film Thor et plutôt dans le film Avengers, c'est qu'après, il a plutôt été dans une quête de rédemption, à encore une fois chercher sa place et chercher le moyen de se faire accepter pour la personne qu'il est, plutôt qu'une véritable volonté de faire le mal, ou tout du moins, elle a toujours été motivée avec une arrière-pensée de trouver sa place et de comprendre quelle est sa personne. Dans le premier film dédié à Thor, on le découvre comme son frère, qui va rapidement devenir sa némésis et
la personne à laquelle il va se confronter, puisque d'un côté, on a des valeurs d'honneur, de dignité, et de l'autre côté, on a un Loki qui va s'enfoncer dans sa jalousie, dans ses remords, et dans l'idée qu'il n'a jamais été considéré avec la valeur qui aurait dû lui être due, notamment par son père. Père qui lui a toujours caché qu'il était un géant des glaces, qu'il n'était pas un véritable Asgardien, mais qui, en même temps, lui a toujours dit que les géants des glaces étaient des monstres. Donc, en grandissant avec cette idée-là, il est difficile, quand on découvre sa véritable nature, de penser qu'on puisse être quelqu'un de positif et quelqu'un d'apprécié. Et c'est ce contre quoi Loki va se battre. Il va même à la fin du film, se donner la mort quand il va voir qu'il n'a pas pu satisfaire son père et les attentes qu'il avait de lui, même si on le sait assez rapidement que la mort qu'il croyait se donner ne va pas être une mort, puisqu'il va atterrir chez Thanos, qui lui va lui donner une chance un petit peu de se venger de ce qu'il a subi pendant ce premier film. Et on en arrive au très connu et emblématique film Avengers, qui va réunir du coup cette équipe de super-héros qui va être opposée à ce Loki qui va trouver à charge de revanche sur le peuple d'Asgard qui n'a pas pu assouvir. Il va décider de jeter son dévolu sur la terre et va décider de l'assouvir pour, dans une première part, puis d'une certaine forme, ses trésors, notamment le Tesseract qu'il doit donner à Thanos, mais aussi pour l'assouvir, en devenir le roi. Ironiquement, au même titre que dans les comics, le personnage de Loki étant pourtant l'antagoniste, sans lui, il n'y aurait pas de Avengers, puisque, et dans les comics et dans le film, c'est la menace qu'il représente et l'attaque qu'il porte sur Midgard qui va faire que les Avengers vont se former pour pouvoir s'opposer à lui et pour pouvoir triompher de lui. Équipe qui va du coup perdurer après avec le temps, mais qui au final n'aurait jamais vu le jour sans Loki, tout simplement. Après, on enchaîne assez rapidement sur son arrestation et sur son retour à Asgard, où il va être jugé justement pour ses actes, notamment ceux perdurés pendant le film Avengers, où on retrouve un Loki assez rancunier, mais qui va avoir l'occasion de prouver sa valeur, de donner son aide, puisque face à la menace des elfes noirs, on aura d'autres choix que de faire appel à lui, et il n'aura d'autre choix que de s'allier à Thor si, dans un premier temps, il veut survivre, il veut faire survivre son peuple, et aussi pour pouvoir lui-même se tirer des embrouilles dans lesquelles il s'est un petit peu lancé. Film qui va à nouveau nous faire croire à la mort de Loki et à son sacrifice, qu'on croit être un sacrifice héroïque pour le bien de tous et face à l'ennemi, et qui est au final, on s'en rend compte à la fin, une supercherie pour que Loki puisse prendre la place d'Odin sur le trône. Chose qu'on découvrira et que les autres personnages découvriront pleinement à la fin de ce film-là et au début du film Thor Ragnarok, qui va aborder le personnage de Loki cette fois beaucoup plus positivement. On a un Loki qui a tenté plusieurs choses, qui a essayé d'être un vilain, qui a essayé d'être un gentil, mais qui s'est rendu compte que d'un côté comme de l'autre, il n'arrivait pas à trouver sa place. Alors on va l'aborder, et on va aborder les autres personnages sur un ton d'autodérision totale. Malgré que, comme son nom l'indique, on reste sur un film qui parle encore une fois de la fin des temps et qui va reprendre quelques éléments de la mythologie nordique pour arriver sur un Ragnarok qui va être le chaos total et la destruction d'Asgard. Sauf que le Ragnarok, cette fois, est mené par la sœur des deux dieux, à savoir que dans la mythologie, elle n'est absolument pas la sœur de Loki et de Thor, mais la fille de Loki. Ce qui, à mon sens, est quand même une démarche beaucoup plus significative et qui aurait pu être un parti pris intéressant, mais soit il en a été ainsi, et elle a été présentée comme leur sœur. Et donc les deux frères, à travers de nombreuses péripéties, vont s'allier pour lui faire face, et bien qu'ils ne vont pas arriver à sauver Asgard comme il le souhaitait, le personnage de Loki, lui, va réussir à avoir sa rédemption, à trouver sa place, non pas comme roi ou prince d'Asgard, mais en tant que défenseur de cette dernière, et en tant que figure de héros, comme quelque part, c'est un petit peu toujours ce qu'il a voulu au fond de lui. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte de ça. Mais malheureusement, encore une fois, tout ne va pas forcément se passer comme prévu, et on va dire que le bonheur de la fin de film va être d'assez courte durée, puisqu'il perdra la vie assez tragiquement des mains de Thanos, mais par un sacrifice assez héroïque pour défendre les siens.
Mais encore une fois, on n'est jamais trop prudent avec Loki, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et on sait maintenant aujourd'hui que c'est loin d'être la fin de ses aventures et que avec à nouveau énormément de malice et de supercherie, on n'est pas prêt d'en finir avec le personnage de Loki. Voilà qui résume un petit peu, on va dire, les apparitions, à mon sens, les plus emblématiques de Loki, c'est qui, quelque part, ont su apporter une certaine évolution aux personnages ou qui, tout du moins, ont mis le doigt sur des caractéristiques qui sont complètement dénaturées. Le matériau d'origine sont aussi extrêmement fidèles à ce qu'il était et ce qu'il sera. Et qui pour certaines amène aussi une nouvelle réflexion sur le personnage. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur ces caractéristiques et trois en particulier, et de les aborder d'une façon plus large, en faisant le parallèle avec d'une part certains faits sociologiques qui sont des questionnements de la société contemporaine, qui sont des questionnements que l'on se pose actuellement, qui sont discutés, qui sont le sujet de débat, et aussi quelques pièces de l'histoire de l'art que je me permets de mettre en parallèle, du coup, toujours avec ce personnage, un petit peu comme une sorte d'outil analysant pour ces différentes caractéristiques qui peuvent se retrouver donc tant dans ce personnage-là que dans les sujets qui sont au cœur de notre quotidien quelque part. Les trois sur lesquels j'aimerais revenir sont dans un premier temps le rapport forcément à la duperie et à la facticité, la façon dont ça se manifeste dans notre quotidien et la façon dont la figure de Loki n'est pas si éloignée de ces notions-là et de la façon dont elle a tout à fait sa place tout simplement dans ce rapport au quotidien. J'insisterai un petit peu plus sur le rapport aux réseaux sociaux et notamment à la figure d'Avatar, qui est à mon sens la façon la plus évidente d'aborder ce rapport à la facticité, à la duperie, mais aussi quelque part à une forme d'alter ego qui va se développer au fur et à mesure. Ensuite, je vous propose de parler toujours dans cette notion d'alter ego, mais d'une façon un petit peu plus positive de la notion de polymorphisme. Et tout le rapport à l'identité qu'il peut côtoyer, comme quoi faire le rassemblement des différentes manifestations de soi et des différentes manifestations de Loki entraîne un rapport au polymorphisme assez intéressant et qui peut véritablement apporter quelque chose dans la construction d'une identité, que ce soit la nôtre ou celle d'un personnage. Et je terminerai par aborder Loki, d'une manière assez novatrice, assez avant-gardiste, qui a été amenée plutôt récemment vers ces 4-5 dernières années avec les différents comics qui ont été écrits sur lui. Et des choses qui, bien qu'elles tiennent leurs origines de la mythologie, ont été pleinement assumées et pleinement travaillées plutôt récemment, qui est que Loki serait en quelque sorte une sorte d'icône queer qui permettrait de repenser le genre, la manifestation du genre, au travers du corps et du corps changeant, du corps évolutif, mais aussi du corps sous un aspect beaucoup plus créatif, et un corps qu'on peut se rapproprier, un corps qu'on peut décider de présenter sous une forme qui convient et indépendamment d'une forme de codes sociaux qui nous seraient imposés. Pour reprendre un petit peu l'optique selon laquelle Loki serait une figure de rébellion justement par rapport à ces codes établis et la façon dont il permet de dépasser aussi ces codes-là. Donc, on va commencer avec ce rapport à la facticité et à la duperie, mais aussi ce rapport à l'alter ego qu'on entretient tous plus ou moins aujourd'hui et depuis l'avènement du numérique. On a été assez rapidement, au final, amené à construire des alter ego sous forme d'avatar. Et donc, parmi ces alter ego, on a donc la création de ces figures un petit peu uniquement numériques qui se détachent de notre corps physique et qui vont surgir hors de nous et créer quelque part une sorte d'alter ego numérique. Mais ces alter ego-là, ils sont construits avec des sortes de codes préétablis, des manifestes. Il est assez aisé de les manipuler, d'en faire un petit peu ce qu'on veut. Et c'est ce en quoi ce rapport à la duperie, moi, me paraît assez sensé comparé à Loki.
J'aimerais notamment revenir sur la théorie du miroir, qui est une théorie selon laquelle le jeune enfant qu'on est assez jeune, qui se reconnaît dans le miroir, va se reconnaître, va faire une distanciation avec lui-même, et que c'est ainsi que va se former son identité, cette espèce de distanciation avec soi, et cette création de soi en tant que je, va être qui va former les premiers pas de notre identité. Et ce rapport au miroir, c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec Internet aujourd'hui, qui est un petit peu devenu le second miroir du grand enfant qu'on est tous, et ce qui va devenir donc un petit peu bouleverser aussi notre rapport à l'identité. Une chose sur laquelle j'aimerais revenir aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet Vénus, qui porte du coup son nom de la déesse, et qui est un fait qui explique que, en gros, quelle que soit la façon et l'angle dans lequel on regardera un miroir, on pourrait s'y reconnaître et on pourrait voir notre reflet. Ce qui est faux, mais c'est une construction du cerveau qui fait assez jeune dans cette idée de reconnaissance, et qui nous fait nous persuader que nous pouvons toujours nous voir au travers d'un miroir. Dans l'idée de ce rapport au miroir, j'aimerais évoquer une œuvre de Velázquez que je vais vous montrer, que je vais mettre en parallèle avec une découverture justement de Loki Agent d'Asgard, qui met un petit peu en scène ce même dispositif. L'œuvre que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci. Voilà, qui est l'œuvre du coup. Une œuvre assez emblématique de Velázquez, et qui va nous montrer Vénus. Donc c'est une peinture de nu, mais un nu assez énigmatique, et un nu qui va nous amener à nous poser des questions, alors que son but est de montrer dans un premier temps la beauté d'une femme et de sa plastique, Vénus étant le symbole de la beauté. Ce tableau va nous faire nous poser pas mal de questions quant au reflet qu'on trouve dans le miroir, puisque il y a plusieurs choses qui portent à confusion. Déjà, la position de Vénus, qui anatomiquement est assez particulière et difficilement reproductible, qui va créer justement cet effet de facticité, et ce reflet dans le miroir qui, d'une certaine manière, va différer avec ce que l'on peut observer. Effectivement, le reflet dans le miroir semble extrêmement différent de la personne qu'on observe, et dans une espèce de voyeurisme plus ou moins assumé, on en vient à se demander quelle est la personne que je regarde. Est-ce que c'est le reflet de son visage que je vois, ou le corps que j'observe, qui est le plus fidèle à la personne qui se trouve devant moi au final? Et cette œuvre, j'aimerais la mettre en parallèle avec du coup cette image que je vais vous montrer, que j'ai avec moi. Ce sera hop, plus pratique. Voilà, qui est du coup la couverture du numéro 3 de Loki Agent d'Asgard, qui est celui-ci, que moi j'ai au dos de sa version française, qui nous montre encore une fois Loki assez sûr de lui, assez dans une position un petit peu victorieux, qui va reprendre un petit peu les codes qu'on peut retrouver dans la peinture de Velázquez, puisqu'on a le personnage représenté dans une position assez nonchalante, dans un décor assez peu identifiable, et avec son reflet qui, lui, est en totale opposition avec le personnage qu'on peut observer. On a donc le Loki conçu en tant que héros qui est ici, qui lui a plutôt un visage assez horrifié, le visage déformé par un cri, et son antagoniste qui, lui, semble avoir pris le pas et la victoire sur son double, et qui nous est montré encore une fois sous forme de reflet. Je vous propose d'aborder cette notion à l'alter ego d'une façon un petit peu plus positive quand même maintenant, parce que on l'a évoqué, les alter ego nous permettent de définir un petit peu plus aussi notre identité, au travers du coup de cet aspect de polymorphisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Polymorphisme qui d'une certaine manière, la façon dont nous concilions les différents aspects de notre personnalité, et comment nous arrivons à faire de tous ces alter ego une seule identité singulière, singulière mais plurielle, certes, mais qui fait en somme notre propre identité. Dans ce rapport au polymorphisme aussi, et à la figure de Loki, qui lui l'exprime physiquement, puisqu'il a de différents corps. Il a son corps qu'on lui connaît, son corps un petit peu plus vieux, son corps de femme, un corps d'enfant, un corps d'adolescent, et bien d'autres encore.
Du coup, ces différents corps s'expriment au travers de sa personne, mais pourtant tous sont Loki, bien qu'ils sont tous différents et qu'ils le représentent tous à des aspects différents de sa vie. J'aimerais mettre cette pratique du polymorphisme avec une pratique sociale qui est celle du cosplay. Je vais vous montrer d'ailleurs du coup quelques images de cosplayers qui eux cosplay Loki. Je vais d'abord vous montrer plusieurs images qui mettent en scène justement les différents avatars de Loki, pour ensuite basculer du coup sur sa représentation dans le domaine du cosplay. Voilà, donc on a ici plusieurs représentations de Loki qu'on peut retrouver. Et je vais du coup vous montrer aussi, puisque le personnage de Loki est un personnage assez populaire dans le milieu du cosplay, qui tient d'ailleurs ses origines depuis les années 40, mais qui a connu un véritable engouement plutôt depuis les années 90, avec notamment son exposition au Japon, et qui aujourd'hui est une pratique assez courante et très, très appréciée. Et le personnage de Loki est aussi un personnage qui lui est régulièrement représenté. Et qui est très apprécié, notamment justement pour le fait qu'il a différents avatars, différentes représentations, et que de fait même le cosplay n'a pas de restriction d'âge ou de sexe, et il permet du coup de représenter Loki avec toute sa complexité et toutes ses différentes facettes, comme le dieu aux mille visages qu'il est. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection avec des représentations assez différentes, certaines qui sont fidèles aux apparitions qu'on peut voir dans les films, dans les comics, et d'autres qui sont plus des créations. Et du coup, j'aimerais terminer avec avant que notre temps soit beaucoup trop court, j'aimerais vous parler un petit peu de la notion de genre qui est liée à Loki et la façon dont il est devenu une véritable icône queer pour différentes raisons. Déjà, du fait même de sa nature, être un géant des glaces, ça signifie non seulement être polymorphe, mais être aussi une créature hermaphrodite. Donc, dès lors, la conception de sexe et de genre est amenée à être un petit peu bouleversée. Et au travers de ses apparitions dans les comics, le personnage de Loki a connu différents corps, même avec Agent d'Asgard, où il décide d'écrire sa propre histoire. Il va aussi mettre en lumière le fait qu'il veut s'accepter tel qu'il est un personnage versatile, qu'il est un personnage ambivalent et qu'il est un personnage notamment qui va se jouer de jouer de tous les codes dont il peut disposer et donc forcément aussi des codes de genre. On le voit régulièrement switcher du coup entre corps plutôt genre et masculin, plutôt genre et féminin, tout le rapport aussi à la violence qu'il a pu avoir dans son rapport conflictuel à son père aussi pourrait être quelque part une espèce de symbolique un petit peu de la lutte LGBTQI+ pour l'acceptation des troubles dans le genre et la dissociation justement entre le sexe et le genre, tous les troubles que ça peut apporter, notamment l'incompréhension de la part d'un public ou de la sphère familiale. Et aussi, de façon beaucoup plus positive, parce que le personnage de Loki est quelque part un petit peu la symbolique de l'acceptation de soi, de l'acceptation de l'entièreté d'une personne et de ce qu'elle représente, et aussi une quête de rédemption sur un petit peu tous les doutes qui ont pu semer en nous, une véritable affirmation de sa personnalité et de ses valeurs, quel que soit justement ce regard que l'autre peut porter sur soi. En ça, c'est du coup une figure qui peut être tout à fait représentatif de cette mouvance-là et qui, je pense, a beaucoup à apporter sur les réflexions sur le genre qui, au final, sont quelque part, à mon sens, plutôt une sorte de chose qu'il faut se réapproprier et parodier. Vraiment le voir comme, non pas comme un code qui devrait nous impacter, parce que, comme le dit très bien Judith Butler, considérer l'association genre-sexe comme découlante de la nature-culture, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec des troubles et une dissociation de sa propre personnalité avec la façon dont on peut s'identifier par rapport à ces codes genrés qui sont aujourd'hui totalement, totalement obsolètes. Et la figure de Loki est une façon, je trouve, assez intéressante d'aborder justement le dépassement de ces codes-là. Comme pourrait le faire, par exemple, aussi une figure drague qui verrait le travestissement comme une appropriation et le dépassement de codes sociaux genrés est totalement obsolète.
Je vais prendre du coup le temps pour avec les dernières minutes qui me restent pour répondre un petit peu à vos questions que vous m'avez posées. Le rapport de Loki avec la mort dans un premier temps. Je pense que Loki peut être lié avec l'aspect de la mort, déjà effectivement parce que il a comme fille Hela qui est la déesse de la mort, et aussi parce que de façon plus générale, le personnage de Loki entretient un rapport assez particulier avec la mort. C'est un dieu qui a causé la mort, qui a causé sa propre mort, mais aussi un dieu qui au même titre quelque part que le panthéon asgardien va voir la mort pas comme une finalité, mais comme une possible renaissance. La mort, c'est une fin, mais c'est aussi un commencement, le commencement de quelque chose de nouveau, et on le voit très bien du coup avec ces différents corps au travers des comics, c'est que Loki meurt certes, mais il renaît sous de nouveaux traits, ou il renaît avec une véritable évolution dans sa perception de lui-même. Donc oui, Loki est loin d'être totalement éloigné du rapport à la mort, je trouve même qu'il en est assez proche. Pour ce qui est du coup plutôt de son rapport mythologique à la mort et la façon dont il pouvait être vu à l'époque par cette culture polythéiste qu'entretenait le peuple scandinave, je pense pas que ce soit le premier état auquel et le premier aspect auquel on le rattache, dans la mesure où avant d'être une figure de mort, il est véritablement une figure de chaos. C'est le principal aspect auquel on le rapprochait, parce que c'est celui qui va vraiment semer le trouble, semer la discorde, qui va venir un petit peu bouleverser tout ce qui est établi. Donc la mort, on va dire, est plutôt un aspect sous-jacent du chaos que Loki peut représenter, ou du moins a pu représenter. Après, si la mort n'a pas été le premier aspect auquel il a été lié, tout simplement, aujourd'hui, je pense qu'on peut beaucoup plus le rapprocher à cet aspect-là. Alors, concernant des conseils bibliographiques sur la mouvance queer par rapport à Loki, je dirais principalement les comics, parce que on n'a pas encore, et tristement, vraiment véritablement d'ouvrage qui fait le parallèle entre Loki et la mouvance queer, à part celui que j'en fais moi, et éventuellement, étant donné que mon livre est en préparation, je pourrais vous conseiller en toute modestie le mien quand il sera écrit. Cela dit, dans les comics, on retrouve soit des sous-entendus, soit des choses clairement affirmées concernant la mouvance queer de Loki. Évidemment, si je ne devais citer qu'un ouvrage qui fait le parallèle entre Loki et la mouvance queer, ce serait bien sûr celui-ci, qui est en deux volumes. Ça, c'est la version française, elle existe aussi en VO si vous préférez. Du coup, Loki Agent d'Asgard, qui va vraiment être le comics qui va remettre un petit peu en question ces codes de genre. On voit Loki au travers de ce comics même en jouer énormément, notamment avec le personnage de Verity, qui est sa meilleure amie, et qui en termes de symbolique, Verity, ses pouvoirs, c'est tout simplement qu'on ne peut pas lui mentir. Et quand on est le dieu du mensonge, ça crée des situations assez complexes, mais quelque part, c'est aussi le personnage qui va lui permettre de se dépasser, de devenir le dieu des histoires et de créer sa propre histoire, de s'affirmer vraiment avec toute la complexité de sa personne. Verity, qui d'ailleurs, ça a été revendiqué plus ou moins assez rapidement après la sortie du livre, qui est d'ailleurs un des rares personnages asexuels qu'on peut voir dans les comics Marvel. Donc même à ce niveau-là, il y a une représentation que je trouvais assez intéressante du coup des personnes asexuelles qui sont assez peu représentées. Sinon, toute la saga Young Avengers aussi va traiter de questions de genre. On a des personnages clairement gays ou qui du coup vont être les porteurs de valeurs queer. Où du coup Loki apparaît sous sa version la plus jeune, sa version enfant du coup Kid Loki. Après, véritablement pour ce qui est de sa mouvance queer, si vous intéressez un petit peu plus à son rapport vraiment au travestissement et à sa figure féminine qui est Lady Loki, il y a du coup le comics que j'ai cité tout à l'heure, Thor Renaissance, qui est la première apparition de Loki dans un corps féminin. Et après, c'est un alter ego qui va reprendre régulièrement
de cette période-là jusqu'à plus ou moins siège, en passant notamment par l'événement d'Arkane, où il va régulièrement en fait faire des apparitions avec un corps de femme, bien qu'il soit un petit peu plus stéréotypé. On n'est pas dans la mouvance, dans une mouvance queer, mais on est quand même dans un aspect travesti de Loki qui va à la fois travestir sa personnalité et du coup sa propre personne, et qui peut amener du coup à débat là-dessus sur cette idée du travestissement, sur le fait que ce soit sa première véritable renaissance aussi. Qu'est-ce que ça va apporter à ce personnage-là? Et après tous les comics, que là il y a une mini-série qui est sortie sur Loki aussi, qui peut être assez intéressante, bien qu'elle, encore une fois, elle traite pas directement de ça, mais qui traite du coup de Loki tel qu'il est aujourd'hui, donc avec toute la complexité de son personnage et du coup, le regard qu'il porte lui-même sur aujourd'hui, sur le fait de créer sa propre histoire et d'être maître de son propre destin, qui, je pense, peuvent aussi former du coup un petit panel d'histoires assez intéressantes. Voilà. Et pour ce qui est de l'Edda, du coup, bah, véritablement le livre de Snorri qui fait un listing assez important de la plupart des mythes. Donc c'est l'Edda poétique de Snorri, et qui en propose une petite analyse. Après, le livre de Georges de Mézil aussi, dont j'ai parlé, est un des premiers livres de recherche véritablement savante sur Loki, qui prend le temps d'analyser le personnage et qui fait du coup de nombreuses références aussi à l'Edda poétique. Je pense que le jumelage de ces deux ouvrages peut être assez intéressant pour avoir une vision assez globale sur le personnage de Loki tel qu'il était dans la mythologie nordique. Du coup, voilà, je pense que si on en a terminé avec les questions, je vais moi-même conclure sur cette conférence. Donc je vous remercie d'y avoir assisté, et je remercie évidemment le Festival Nice Fiction d'avoir organisé ces différentes conférences et d'avoir permis de vous parler aujourd'hui. Donc je peux vous conseiller plein de lectures et de profiter de Loki maintenant que vous avez un œil un petit peu plus éclairé sur lui, sur les différents enjeux qui peut porter avec lui. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.